Je vais me faire une... je vais me prendre la ISO. Hein. J'en ai marre, à chaque fois je me fais péter par la ISO. Alors attends, il y avait une variante dans la boutique qui était sympa, je crois. Celle-là, elle était animée et tout. Vas-y, tu sais quoi, on va la prendre, allez. Tracer pack, ISO, Cyber Riot. Vas-y, let's go. Hop, hop, hop. Mode pigeon activé. On va mettre le chargeur à tambour quand même. Ça fait juste sinon. Tu veux voir ? Ah, trop classe ! Je crois que c'est la première fois que j'ai une arme qui fait un effet de mort comme ça. C'est quelque chose que j'avais perdu un petit peu. Faire des petits solos sur Warzone, c'est quand même bueno. Bon, en tout cas, Warzone le matin, c'est quand même bueno. Je pense que c'est ça plutôt. Tu sais quoi, je vais prendre celle-là plutôt. Et celle du bas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être... Enfin, il y a des gens qui vont aller à la première. Je suis plus fan de la hauteur. Et c'est vrai que bah, les petites solos sur Warzone, ça faisait un petit moment et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que bah, le fait que le sniper one-shot, par exemple, ça aide un petit peu, puis même le gameplay en lui-même s'est un peu amélioré, donc c'est quand même plutôt sympa. Putain, mais comment il fait pour être là déjà, lui? Il y en a, mon pote, je sais pas comment ils font, mais ils le font. Ok, super. Ok, super. Connard. C'est mon territoire. Bon, la petite technique, c'est toujours la même. On part à droite, on prend la tuile. On reste en visant. Et voilà. C'est bon. Bon, est-ce qu'il y a une forteresse dans le coin? Non, bah écoute, c'est quoi? On peut aller récupérer celle-là, du coup. J'aime vraiment pas la zone en bas, hein. Franchement. Ok, celle-là qui est pas prise, vas-y. C'est moi qui capture en plus. Trop bien, je peux capturer de dehors. Oula. Putain, hé, hey, oula, dans l'obscurité. Mama. Ah, elle brille, hein. Ah, elle brille de mille feux. Lui, je vais te dire un truc. Il est là en bagnole. Il écoute une petite musique. Et il s'en va buter un gars. Qui Bah en fait, le mec est vénère, lui là. Moi, je voulais juste lui rendre service au départ, tu vois. Je voyais le mec, il était paumé dans la pampa. Il allait marcher pendant une demi-heure et tout. Je voulais juste rendre service et le gars, il m'agresse. Comme ça. Bon, au final, il s'est mangé sa petite tête. Ça, ça fait plaisir. Ça fait toujours du bien de mettre une tête. Alors, si le mec, il a mis un shop portable alors qu'il y a un shop à côté, c'est qu'il y a sûrement deux gugus. Ah! Oh, alors lui, il est paumé. Ah, ma foi. C'est ce que je te dis, hein, 5h du mat, tu tombes sur des gars comme ça. Lui, le premier café, il a pas encore fait effet. Ou il devrait plutôt aller dormir. Un des deux. Et je lui ai tiré dessus, il s'est retourné, il a dit... Ah non, je comprends pas ce qui se passe, là. Putain, il y avait des lumières vertes sur le carreau. J'ai entendu un... C'est ça? Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'il campe là, lui? T'as des mecs, des fois, ils sont dans des spots, tu comprends pas, hein? Tu comprends pas ce qu'ils font là? Bon, tu sais que t'avais du monde dans le coin, hein? Ah, par contre, elle brille trop, l'arme, c'est incroyable! Elle t'éblouit! Regarde, tu vois même des reflets verts sur la droite.
Bah il tirait sur un gars mais je sais pas. Ah, il est pas rassuré lui hein. Lui, s'il s'est fait one shot par le drone explosif, c'est que... C'est vraiment de la... J'y crois pas. J'y crois vraiment pas. J'y crois vraiment pas. J'y crois pas. Comment c'est possible? En plus j'ai la même arme là, tu me dises pas j'ai la même arme. C'est impossible. Le gars, je savais qu'il était là, je le pré-shoot, je vis, je lui tire dessus, tout ce que tu veux quoi. J'avais l'avantage sur lui quoi. Là, je piche pas comment le mec me gagne le combat, quoi. Merci à Easy B Raids qui s'abonne. Bienvenue à toi, mon petit pote. C'est parce qu'il avait 0 kill? Non, il en a 7. Et je vais voir pour un truc à manger, mais il y a rien ouvert encore. Pourquoi ça me bascule automatiquement sur l'autre vue? Gauche sur le clip, t'as mis plusieurs balles dans la tête. Bah franchement moi le clip je le vois... Et surtout quand tu regardes le clip... Le gars je lui tire dessus avant même qu'il me tire dessus. Tu regardes le clip... Tu regardes le clip là? Je lui tire dessus. Bon, la qualité est pas ouf hein, malheureusement, mais bon, ça c'est les clips qui sont comme ça. C'est vraiment de la. Regarde. Je vais le mettre en 0.25 comme ça, on va bien voir. Le gars, je sais qu'il est là. Hein. Je l'avais vu. Je commence à tirer. Là, je le touche le gars. Je suis en train de le toucher. Et il m'a enlevé, il m'a pas touché encore, il a mis 0 dégâts, tu vois, 0 balles. Donc là, je suis encore sur lui. Et là, je tire sur lui. J'ai commencé à tirer avant lui. J'ai la même arme que lui. C'est-à-dire, je l'ai touché avant même qu'il me touche. Et là, je l'ai même pas crack, le gars, il m'a déjà quasiment crack. Je continue à tirer, je suis en pleine tête. Je suis en pleine tête là. Le mec, il m'a déjà crack alors que je viens à peine de crack, alors que j'ai tiré avant lui avec la même arme. Même cadence, même dégâts. Et là, bon, j'ai mis une balle ou deux à côté avec le flinch. Mais... Et tu regardes la killcam. Le gars, il se plaque. Voilà. Et là... Et tu vois, regarde. Le gars, il se fait toucher. Il s'est pris une balle, là. On le voit bien, même sur la killcam. Il s'est pris une balle avant même de me tirer dessus.
Et regarde le gars, il est pas non plus si précis que ça, regarde, il met des balles dans le coude. Il tire même pas dans la tête ou quoi, dans le coude. Voilà. Il tire même pas dans la tête, dans le coude. Et là, il te met à terre. Comment c'est possible? Tu dis... Tu te demandes comment c'est possible qu'un gars qui... T'as la même arme, tu tires en premier, tu lui mets des dégâts en premier, le gars il arrive à te tirer, te craque, limite avant toi.